En temps normal, quand ils ne sont pas trop nombreux, les cervidés sont de véritables jardiniers. Ils taillent, ils éclaircissent la forêt. Malheureusement, en trop grand nombre, les jardiniers se transforment en défricheurs. En effet, ils se nourrissent des jeunes pousses et empêchent ainsi le renouvellement de la forêt. Et puis, ils éliminent également les buissons dans lesquels nichent des oiseaux et des insectes. Par ailleurs, les mâles ont l'habitude de frotter leur bois contre les troncs. Eh bien, si cet écorçage est trop important, les arbres meurent. Tout cela a un impact écologique et économique quand la forêt est exploitée pour son bois. Par conséquent, il est indispensable désormais de contrôler la population de cervidés dans les forêts.